essayer de mettre la caméra. Oh my god. Et mais on va pas faire une vidéo de 24 heures. Hein. Ah ouais, merci. Comment on met en pause? Hop, allez, c'est trop beau ce logo. Ah, c'est chouette. Ouais. Ah, oui. Bonjour. Et ben du coup on va rester par ici. Si vous arrivez à filmer des choses par là, bah, en fait là déjà il y a des choses à filmer. Déjà là, il y a le fait de voir qu'on est au milieu de plein de monde, le fait de voir qu'il y a quand même déjà des photographies par ici. Après il y a quelqu'un qui va faire son discours. Mais du coup cette personne elle a terminé de faire son discours, vous pouvez aller voir les gens pour. Mais je filme avec la GoPro. Par contre, tu veux pas. Par contre, non mais non, Pauline, lui là, il est vraiment trop chaud. C'est 380. Mais c'est trop chaud. Pauline. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation à venir inaugurer la 5e édition. Youhou. Bon, bah, excusez-moi, décidément, c'est la soirée des gourdes. J'ai oublié Patrice. Pour l'instant, mais si vous pouvez interviewer les photographes, sinon. Mais oui, mais on sait pas où ils sont en alors, fait. Je vais te montrer. Celui qui est là-bas avec ma chemise à carreaux, là, qui était avec moi sur le stand. C'est Adrien Favre, il est là-bas. Il y a. Bon, je vais vous en trouver. Je vais leur dire de. D'accord. Là, on attend là. C'est du quoi? C'est du champagne? Vous voulez un jus de fruits ou les quoi? Ah, je bah, non. Bah, on est obligé? On est obligé? On n'a pas trop le droit. Ah bah vous n'avez pas le droit au champagne. On a demandé, mais. Même si je l'ai adopté, j'ai pas le droit. Bah, tes parents seraient là, je dirais oui, mais tes parents sont pas là. Vous faites attention quand même. Oui. Et vous faites attention, vous n'allez pas trop proche des photos avec les parents. Bah, viens, on finit ici et puis après. On se met là. Tiens, viens, on se met là. Attends, on va tous goûter la même chose, ok? Venez, on goûte ça. Non, tu veux goûter quoi? Moi je veux goûter. Vas-y, viens. Je sais pas ça. Viens, Louis. Attends, la pour Louis. C'est quoi le rapport? T'as pas trop un truc? Non. Tiens. Imaginez, non, là, on dit on a prédaté les gâteaux. Ça chine, ça brûle. Bonjour. C'est vous le gérant du stand? Ouais. Est-ce qu'on pourrait vous interviewer avec notre GoPro? Qu'est-ce que vous faites? Bah, on fait une vidéo pour notre secteur ado. Votre secteur ado? En fait, c'est un groupe d'ados qui se... Bon, c'est un groupe d'ados qui se réunit et il n'y a que des ados. Et du coup, bah, tu veux des nouvelles rencontres. Bah, génial ça. Ouais, si vous voulez. Vous vous filmez? Je filme. Non, excuse. J'ai compris, est-ce que vous filmez? J'entends pas, il y a plein de bruit. Attends, mais là, ça sera mieux. Du coup, tu peux me filmer, bien sûr. Qui a une question? Je sais pas si j'avais une question, mais j'ai perdu ma question. Est-ce que vous avez déjà fait des photos d'animaux? Est-ce que j'ai déjà fait des photos d'animaux? Oui. Oui, pas là, les photos que vous avez vues, c'est mes photos. C'est vous les avez fait? Comment j'ai fait? Bah, j'ai un appareil photo qui est avec un grand téléobjectif qui permet de faire des photos. C'est un réflexe. Alors j'avais un réflexe. On recule un peu là. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'appareils photo hybrides. Ça me permet de voir directement dans. Mais quand vous faites les contours en noir, comment vous faites? Ça, c'est l'objectif. Oui,
camouflage. Ah oui, il y a un mode forêt. On se met à bon vent, ça veut dire qu'il faut qu'on ait le vent de face qui nous arrive sur nous, sur le visage. Il faut que le vent... Exactement, sinon ça c'est plus important. Il faut que le vent il arrive de l'animal. Exactement. Contre la chasse. Je suis contre la chasse, loisir. Je suis pas particulièrement pour la chasse tout court, mais j'arrive à comprendre que dans certains cas on puisse... quand c'est chassé pour se nourrir comme les prédateurs, voilà. Dans certains pays, dans certaines régions du monde où on doit chasser pour se nourrir, j'y vois rien à redire, je vois pas où est le problème. Là où on chasse pour le plaisir, c'est un petit peu compliqué. J'ai un peu plus de mal à le comprendre et à l'entendre. Non, vraiment pas. C'est ça ce travail, c'est comme la patience. Vous pouvez essayer de parler en espagnol. Et quel est-ce que t'es dégâts? Il y a beaucoup de questions. En fait, il y a des questions qui nous viennent comme ça, puis du coup, on pose. D'accord, ça marche. Allez-y, commencez. Parce que pour l'instant, j'ai rien qui me vient. Déjà, vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis photographe animalier. C'est mon métier. Quel genre d'animaux? Des animaux sauvages, du coup, dans la région du Jura et un peu partout avant dans le monde. Mais maintenant, c'est surtout dans le Jura. Beau Jura. Toi, t'avais plein de questions tout à l'heure. Vas-y, pose-nous. Vous êtes plutôt quel type d'animaux? Les grands prédateurs. J'aime bien tout ce qui est prédateurs, les petits prédateurs, du renard comme le lynx. Depuis je suis en 6e mois. Ah, alors, qu'est-ce que la chaîne? Parce que j'ai jamais rien compris en fait. C'est l'interdépendance entre les espèces, c'est-à-dire que chaque espèce est liée à d'autres espèces. Donc les herbivores sont liés aux carnivores et que si vous supprimez un maillon de la chaîne alimentaire, les carnivores n'ont plus à manger. Si vous... Il y a les omnivores, mais je ne sais plus ce que c'est. Les omnivores, ça mange de tout. Merci beaucoup, c'est cool. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de faire ça, c'est top. Quoi? Est-ce que vous avez déjà vu... Non, attends.